Paul Emile Victor, il y a un match en cours entre Aix-en-Provence et Aulnay-sous-Bois. Le club d'Aulnay-sous-Bois se trouve actuellement en troisième position au classement, à ex-aequo avec le second, donc possibilité de jouer les playoffs. Que pensez-vous de ce début de saison et qu'attendez-vous du club et que pouvez-vous dire aux joueurs et aux dirigeants du club? Alors, le club de badminton, c'est sa troisième saison dans le top 12. Donc, il y a une progression qui régulière. Hein, donc, il y aura peut-être la bonne surprise qu'il soit deuxième. Hein, voilà. Alors, c'est un club dynamique, avec une équipe de dirigeants vraiment qui est dévouée, hein, et qui emmène effectivement ce club au plus haut niveau. Alors, ce club dispose d'un club de formation. Hein, donc, Alors, ce club, l'intérêt de ce club aussi, il y a du très haut niveau, il y a la compétition au niveau régional, départemental, et aussi avec une section loisirs, et aussi tout ce qui est formation avec les jeunes. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un club en National 2 qui va certainement monter en National 1. Donc, c'est-à-dire la deuxième équipe d'Aulnay-sous-Bois va se rapprocher du top 12. Donc, c'est également un grand moment. Donc, ça veut dire également plus de matchs de compétition, plus d'intensité. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir qu'à Aulnay-sous-Bois, au niveau sport, on parle de la ville, on parle d'un club de badminton, on parle de nous? Effectivement, l'impact, le retour pour la ville, ça donne une image positive. Hein. En plus, on parle d'Aulnay en bon terme, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement, on a une ville qui est dynamique. Hein, enfin, ça, historiquement, le sport aulnaisien a toujours été de haut niveau. De haut niveau, hein, avec. Voilà. Je pense qu'on est toujours dans cette orientation, de toute façon. C'est de soutenir effectivement le mieux possible le sport à Aulnay.